Bonjour Lou-Denis Hélion. Bonjour. Bienvenue au Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Merci. Ma première question, c'est à votre avis, à quoi ça sert un festival ? Un festival, c'est un endroit de partage, de réunion. C'est un endroit où on peut faire vivre, notamment pour les festivals de cinéma, des films qui ne pourraient pas avoir une grande vie forcément en salle. C'est un lieu de découverte. Et surtout un lieu d'échange. Et plus personnellement, quand on est comédien comme moi, c'est rencontrer un jury déjà. Donc là, j'ai la chance de faire partie d'un superbe jury. Et puis, toujours aller à la rencontre du public et des professionnels. Donc, c'est un moment de découverte totale. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et qu'est-ce que ça impose comme devoir d'être juré ? Ça impose d'être ouvert d'esprit, ouvert à la discussion, ouvert à la découverte, d'accepter d'être surpris, d'accepter de ne pas être d'accord, de débattre tout ça, et puis essayer de, oui, par concertation, d'être juste et de porter un film qu'on a aimé. Et particulièrement être juré au Festival de Saint-Jean-de-Luz, qui a sélectionné des films venus du monde entier, mais la première ou la deuxième œuvre, est-ce que c'est particulier ? Oui, je pense, parce que la première œuvre, évidemment, pour un artiste, c'est extrêmement important. C'est le test ultime, c'est là où tout se passe, où tout se joue. Et la deuxième œuvre, c'est quand on a réussi, parce qu'il y a, voilà, il y a très peu de réalisateurs qui peuvent réaliser plusieurs films, hélas. Il faut essayer de confirmer, d'enfoncer le clou, de continuer à imposer son style. Donc c'est assez passionnant de voir toute cette jeune expérience. Moi aussi, ça m'apprend personnellement beaucoup parce que j'aimerais me mettre à la mise en scène plus tard. Donc c'est un peu stressant, mais c'est passionnant. Oui, oui. Non, parce que je vous demande si vous êtes plus indulgent, peut-être, parce que ce sont des œuvres de jeunes réalisateurs. Ou ça n'entre pas en ligne de compte ? Non, je ne pense pas, parce que je pense que ce n'est pas parce que c'est un premier film que va y avoir forcément des défauts, ou au contraire, il y aura des défauts qui seront au contraire touchants. Et puis je crois que l'histoire a prouvé qu'il y avait des premiers films qui étaient des chefs-d'œuvre, comme celui du président de notre jury, Xavier Legrand. Donc je ne pense pas qu'il y ait plus d'indulgence. Personnellement, je les regarde comme n'importe quel film. Alors, que pensez-vous du fait que les films soient projetés là, en salle, avec du public, sur grand écran, en cette période-là, très particulière. Oui, ça fait énormément de bien de voir que le public est là, est toujours là, qu'on peut le faire avec les masques, avec la distanciation sociale. Donc, c'est vrai que, encore une fois, personnellement, pour moi, c'est très important de partager ces moments, voilà, de dire que les artistes sont là et en plus, le public nous prouve qu'il est là. Donc, ça va continuer. On lutte tous ensemble face à cette crise. Qu'est-ce que c'est pour vous, le cinéma ? Pour moi, le cinéma, c'est le rêve, c'est l'émotion, c'est la possibilité de porter des histoires personnelles, de poser un point de vue sur le monde, un point de vue visuel, artistique, très personnel. Le cinéma nous divertit, nous émeut, nous bouleverse, nous révolte. Et voilà, je pense que c'est une source d'émotion universelle et un moment de partage privilégié. Voilà, le cinéma a cet avantage de nous mettre dans des bulles absolument intemporelles et formidables.